Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure en direct d'Adobe Live. Je suis accompagné, comme chaque jour, de Pauline Boyer. Bonjour Pauline. Bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons Marion Sopin. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur les Behance Adobe Live. Ce sont des sessions qui ont lieu au quotidien, chaque jour à 14h. On y reçoit des artistes, on y parle beaucoup inspiration, on y parle un petit peu technique parfois, pas tout le temps. Et on essaye de balayer tous les champs créatifs. On profite aussi de ces sessions pour échanger avec vous eh bien, sur vos portfolios. Et c'est pour ça que vous avez accès à un chat sur le côté de votre Behance ou tout en bas. Ça dépend si vous nous suivez d'ailleurs depuis votre ordinateur de bureau ou depuis l'application Behance ou l'application Creative Cloud sur votre smartphone ou votre tablette. Donc bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue aux habitués. J'ai vu passer des noms qu'on commence à connaître. J'ai vu Alexandre, Daniel, Jamila, Pauline, Loïc, Thierry et AD Création. Alors pour Thierry et AD Création, je pense qu'Alexandre vous a passé le lien pour venir nous rejoindre sur Behance, et comme ça vous pourrez nous retrouver, vous pourrez échanger avec nous et poser toutes les questions que vous souhaitez poser à Marion. Et comme Alex nous propose le lien du site de Marion, eh bien on va commencer par la question classique du début. Marion, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, je suis d'origine bretonne. Je vis maintenant en Île-de-France et donc je suis photographe depuis quelques années maintenant. Je suis à 100% à mon compte, on va dire, sans petit boulot à côté depuis maintenant 2 ans. Et j'arrête pas, donc c'est cool, ça se passe très bien. Donc je suis photographe de portraits à la base. J'ai toujours travaillé, moi, dans mon boulot perso, autour du rêve, de l'étrange, du bizarre, tout ça. Et j'ai commencé à travailler au début avec des créateurs, des artisans, pour du vêtement, du bijou, etc. Et du coup, j'ai développé ça de plus en plus. Donc maintenant, je fais aussi beaucoup de reportages d'ateliers d'artistes, etc. Et à côté, je me suis lancée depuis maintenant à peu près 2 ans dans la photographie culinaire. Donc à la base, je faisais ça par pure gourmandise, juste dans mon coin, voilà, c'est beau, ça donne envie. Et en fait, je m'y suis intéressée vraiment de plus en plus petit à petit, je gardais ça pour moi. Et en fait, on m'a un peu encouragée à aller plus loin. Et c'était du coup en 2017 ou 2018, j'ai même plus la date, que j'ai été invitée sur une émission au Salon de l'Agriculture pour parler de mon travail, présenter un peu mon travail. Et à cette occasion-là, j'ai travaillé avec pas mal de blogueurs culinaires. Donc ça a été une super expérience et c'est ce qui m'a permis de me lancer vraiment complètement, quoi. Donc du coup, je jongle entre mon travail de portrait pour les artistes, le culinaire, que ce soit du reportage ou même de la nature morte pour des marques, pour des producteurs, etc. Et à côté, j'ai tout mon boulot personnel, en fait, donc où je développe petit à petit des séries personnelles, je fais des expositions, des festivals, tout ce que je peux, plein de rencontres artistiques, etc. Voilà. Très bien, mais c'est pas mal tout ça. Ouais, je suis en train de me dire que t'en as dit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que j'espérais sur la toute première partie. Et du coup, c'est le moment normalement où je fais ma petite transition en mode tiens, on pourrait regarder des images pour que ça parle aux gens et tout. Carrément. Je vais partager ton écran. Maintenant, on sait que tu fais plein de trucs, que c'est hyper prolifique. Mais je pense qu'en voyant ton style, on va comprendre que tout s'imbrique ensemble. Tout à fait. Ça y est, on est chez toi, donc tout le monde voit ce qui s'y passe. Ok.
Alors, qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Ah, on pourrait presque faire un sondage. Est-ce que, cher public, sur YouTube ou sur Beyond, est-ce que vous voulez voir plutôt de la photo culinaire ou de la nature morte? Maintenant que vous savez au moins les deux grandes parties. Oui, les portraits. Tiens, et en plus, alors il y a des gens qui sont encore sur le chat de YouTube, Geoffrey, Elmark, etc. Et Elmark nous dit, j'ai eu la chance de voir son expo à Confrontation Photo il y a un ou deux ans, et c'était beaucoup trop cool. Oh merci, c'est trop gentil. Ouais, c'était génial cet endroit, les rencontres que j'ai pu faire à Confrontation Photo, c'était vraiment top. Alors, trop bien. Jamila est la première à voter, elle vote culinaire, Greg vote nature morte. Nature morte. Attention, ah bonjour à Geoffrey Doucet qui est dans le chat et on a plein de copains en commun. Ah. Ouais, qu'on a pris en photo. C'est un photographe aussi et ouais, on a pris plein de... Alors sachant que nature morte, ça va un peu avec culinaire, c'est plus portrait ou culinaire on va dire. D'accord, enfin, plutôt portrait ou culinaire, ouais, mais je suppose qu'ils ont répondu mais, nature voilà, morte pour le portrait parce que j'ai lu nature morte. Ouais, les deux ensemble. De la nature culinaire, ok, on va faire ça. Allez. On va faire ça. Allez, moi je dis qu'on est juste en heure de table, en sortie d'heure de table, donc ce serait bien de commencer par du culinaire. Carrément, en plus on n'a pas trop culinaire. Ben en fait, on les a sur toutes les sessions Lightroom que je fais le matin, parce que comme c'est les seuls sujets... Le matin, on dort encore. Alors, tu dors encore, mais tu sais que tu as accès aux replays. Tu as accès à tous les replays sur la chaîne YouTube et tu as accès à tous les replays sur Beyond directement. Donc, dans le pire des cas, tu pourras aller voir. Et c'est les seuls modèles que je connaisse qui ne bougent pas dans des moments où je suis assis et où j'ai le temps de prendre des photos. Donc, j'ai que des photos de bouffe sur mon Lightroom. Parfait. Voilà. Alors, allez, je vais commencer par vous montrer une de mes dernières séries, enfin presque dernière. Ouais, en fait, j'ai participé au Festival international de la photo culinaire cette année, enfin du coup en 2019. Et donc là, j'ai fait la série s'appelle Cosmos, et l'idée c'était de faire des gâteaux complètement un peu déjantés, inspirés de l'espace, parce que les nuages, le ciel, l'espace, tout ça fait partie de mes inspirations en règle générale. Et j'ai voulu retranscrire ça dans le culinaire. Donc là, vous avez à gauche les comètes, les météorites et la Voie lactée. Trop bien. Qui arrive. Voilà. Donc là, c'est que des gâteaux que j'ai fait, en fait, parce que ce que j'aime dans le culinaire, c'est pas juste faire la photo, c'est aussi créer l'ambiance. Dès que je peux, enfin, je suis pas non plus une grande cuisinière, hein, faut que ça reste simple. Hein. J'adore cuisiner, mettre en place, dresser, etc. Et là, du coup, c'était l'idée de faire un peu un combo de tout ça autour d'une thématique qui m'était chère. Et donc, avec des gâteaux un peu sortis d'ailleurs, un peu d'ailleurs, quoi, en quelque sorte. C'est trop bien. Je savais pas que tu faisais des trucs à manger. Et du coup, après, il faut se sacrifier pour manger les gâteaux. Ouais. On rentre dans les vraies questions existentielles créatives, là. On rentre dans le dur, tu vois. Alors, évidemment, je ne gâche jamais. Il n'y a jamais de rien qui part à la poubelle. Hein. Ah, c'est autant pour la planète. C'est très important. Ah, oui. Non, mais bon, il y a du monde autour de moi qui a toujours un petit peu faim, tu vois. Donc... non, mais tu m'étonnes. Tu vois ça toute la journée, évidemment. Oui, parce que même, du coup, moi, à force de photographier de la nourriture, au bout d'un moment... en fait, c'est comme si faire la photo me rassasiait, en quelque sorte. C'est vrai? Ouais, non, mais à force, au bout d'un moment, bon, alors évidemment, quand je fais des shootings pour certains clients, bon, je t'avoue que les pauses déjeuner sont toujours pas mal, hein, du coup, mais quand je fais des projets perso comme ça dans mon coin, ça arrive que je cuisine la veille, je fais plein de choses, et je fais mes shootings, et puis je mange pas pendant la journée tout ça, quoi, parce que non, mais c'est pas possible. Ok. Donc, ça reste pendant quelques jours, et puis petit à petit, ça disparaît. Donc voilà, et là ces trois photos étaient assez j'étais sur trépied du coup et j'ai fait avant de mettre les gâteaux mes petits tests pour chaque mouvement pour le miel, pour les jetés de noisettes et pour avoir le mouvement du sucre glace aussi. Donc c'était un peu sport, donc avec mon trépied en même temps je faisais les mouvements et tout. C'était assez drôle. C'est trop bien. Parce que du coup, tu fun. Le fais toute seule comme une grande, pas d'assistant, pas de. Là, c'était toute seule. Et bon, alors l'état de ma cuisine, après, c'est une autre histoire. Hein. Parce que bon, quand on balance du miel comme ça, c'est toujours un peu. Mais voilà, donc ça, c'était pour le festival de la photo culinaire.
Oh, c'est cool. Et est-ce que tu utilises les tips horribles là, tu sais, genre tous les trucs qu'on a tous vu passer à un moment sur les réseaux sociaux, genre, tu sais, genre mettre de la mousse à raser pour faire de la chantilly et tout, ou pas du tout, toi, t'es dans les vrais Non, bah en trucs? fait, moi, ce que j'aime, c'est justement le côté très naturel. Tu vois, enfin, la Ouais. photo culinaire, il y a vraiment deux catégories. Il y a vraiment faire de la photo culinaire bah, en vrai, enfin, que du vrai. Donc, ça Ouais. dégouline un peu, il y a toutes les imperfections et tout, mais que le but, c'est de les garder. Et à Ouais. côté, il va y avoir, bah, c'est souvent plus pour des packs, donc c'est pour des choses un peu plus packaging, enfin voilà, très carré et tout ça, où là, c'est sûr que ça arrive qu'il y ait soit un peu de faux aliments, ou alors on rajoute de quoi faire briller, des choses comme ça. Et moi, c'est typiquement le genre de choses que je fais pas. Et vu que mes clients savent que je fais pas ce genre de photos, de toute façon, on me contacte pas pour ça, quoi. Ok, Donc, trop bien. ce que je fais, c'est, moi, j'aime quand ça vit, tu vois, quand il se passe Bah vraiment ouais, quelque chose. carrément. Alors si on a des passionnés de photo culinaire, parce que j'ai vu qu'on avait des passionnés de photo astro, on avait donné une session il y a 3 ans déjà avec Laurent Rouvray sur la photographie culinaire, et on avait eu une longue discussion justement exactement sur le même thème. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'on fait sur les brillances et tout. Et il nous avait expliqué qu'en fait il y avait un vieux truc qui restait du début des années 80 avant qu'il y ait une grosse législation dessus. Et maintenant en fait il y a quasiment plus ça. Pour les packs, même si c'est suggestion de présentation et tout, ils sont obligés de travailler avec du réel, et ils font plus les fameux hamburgers qui tiennent tout seuls et tout. Alors il y a de l'aide dedans, parce que de temps en temps, faut quand même que pimper le truc pour pas que ça s'affaisse, mais il y avait vraiment une vraie prise en compte du plaisir et de la vraie nourriture, quoi. Ok, trop Et bien. on Bah avait après, tu as fait. des petites astuces aussi, toutes bêtes. Par exemple, si tu veux faire une chantilly, mais que tu sais que ça va pas tenir le temps de la photo, tu prends du mascarpone, par exemple. Et ça tient tout de suite. En fait, c'est des petites choses comme ça, mais il faut que ça reste mangeable, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. C'est ça, c'était l'idée. Et un des premiers directs du canapé qu'on avait fait, c'était avec Cassis Lib. Et pareil, on avait eu des petits gâteaux, des petits fours préparés en direct et tout. C'était assez rigolo. Cool. Voilà, c'était les petites infos en plus, les petits liens en plus. Non, mais on va sortir de cette session en ayant trop faim, par contre, on est d'accord. C'est le risque. Ben, du coup, alors, je sais pas, est-ce que vous aimez le matcha? J'adore. Bon, moi, je Vas-y. suis une grosse fan de matcha, donc je fais régulièrement des petites séries de cuisine matcha, tu vois. Donc, des petites choses, et toujours un peu dans l'ambiance assez sombre. J'aime beaucoup travailler le clair-obscur en culinaire comme en portrait, en fait. Et jouer avec des couleurs qui ressortent un petit peu, quoi. Carrément. T'éclaires ça comment? Alors, je travaille essentiellement en lumière naturelle. Ok. Donc, je me place vraiment. Enfin, chez moi, c'est assez lumineux, donc j'essaye de me placer en fonction de ma fenêtre comme je veux. Et après, bah, je joue avec des réflecteurs, avec des miroirs, avec des choses comme ça, Ah, pour trop cool, avoir hein. un rendu très doux. C'est rare que je travaille au flash. Pour certains clients, ça m'arrive, ça dépend des Ouais. projets. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté, tu vois, très naturel. On perd pas trop de détails. On a une texture qui reste. Bon, Ouais. après, c'est toute une. Le flash, c'est toute une question de gestion de flash, mais et puis de. Ouais, c'est une question de goût aussi, hein. Mais c'est cool que tu arrives à garder une telle consistance dans ton travail en lumière naturelle. Tu vois, c'est cool. Donc voilà, j'aime bien lâcher des petites choses aussi, un peu de mouvement, toujours un peu. Donc voilà, matcha. Ah, En tout cas, Emmanuel nous dit les jeux de couleurs sont sublimes. Et merci, oui. Isabelle. Bah, du coup, là, j'ai commencé des nouvelles séries aussi en travaillant un peu les textures, les couleurs dans des choses très simples. En fait, ce que j'adore, c'est tout l'un ou tout l'autre. J'adore faire de la photo culinaire où il y en a un peu partout. Où ça fait un peu, un peu cracra, en quelque sorte. Ou alors, au contraire, très, très épuré, comme ici, en fait. Et faire quelque chose de très, très graphique. Donc, avec ça, j'ai fait avec plusieurs aliments bruts, du coup. Et puis, ouais, pour jouer un peu sur les formes. Et ça, du coup, c'est le genre de série que toi, tu fais pour t'entraîner, toi? Oui, bah en fait j'ai besoin tout le temps de faire plein de choses. Enfin, je pourrais pas faire que mes commandes clients. J'ai besoin à côté de me nourrir de tests, d'essais. Quand j'ai des aliments qui me donnent envie, j'ai besoin de les photographier et tout ça. Et donc c'est essentiellement pour moi. Et c'est ce genre de séries aussi qui sont amenées à être exposées justement.
Parce que ça, tu vois, c'est typiquement le genre de format que j'imprime sur des plaques d'alu, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais, carrément. Tu les exposes beaucoup, ces photos, d'ailleurs? Alors, celles-là, elles sont assez récentes, donc j'ai pas eu l'occasion encore. Mais il faudrait que je voie un peu pour nos différents appels à candidature dans des festivals. Et puis aussi que quand j'aurai un petit peu plus de temps, que je me penche dessus et que j'envoie un peu à droite, à gauche pour voir si ça peut plaire. Et puis, Ouais, j'allais te demander, est-ce que toi, c'est un truc qui t'intéresse de mettre sur des sites de stock, de trucs comme ça, pour vendre tes images par ce biais-là? Non, non, non. Non? Il y a quelque temps, j'avais essayé, mais c'est un peu un truc en plus, entre guillemets, à penser, à se dire. Je préfère vraiment garder ça comme une image, voilà, que j'ai travaillée et qui va servir pour une expo ou quelque chose comme ça, qui reste très personnel, plutôt que quelque chose qui va être mis sans vraiment. Je sais pas, j'ai pas encore une très bonne image justement de ces images de stock et tout, donc Ouais, c'est à voir. ça c'est un truc à travailler avec le temps. Bah c'est Enfin, ça, ouais. tu te doutes bien qu'ici on est très derrière Adobe Stock et toute la partie contributeur, je trouve, est pas trop mal foutue. Moi, en étant plus du côté graphiste et du côté utilisateur d'images, c'est le genre d'image que je pourrais rechercher justement pour des habillages, pour des contenus, etc. Mais sur lesquels j'aurais moins de facilité à aller contacter le photographe. Et Oui, je sais qu'on d'accord. est, on est quelques-uns comme ça dans l'univers direction artistique à se demander justement où on trouve des belles images. Et pour le coup, tu vois, là, le fait qu'il y ait une lumière qui soit éclairée, qu'il y ait de la place autour pour travailler et tout, c'est que du bonheur. C'est très, très Ouais, je utilisable. vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai Ouais. que. À voir. À voir. Non, mais t'inquiète, hein, Ouais. Faudrait juste les poster et puis dire oublier et voir si ça pousse, Ouais, quoi. surtout qu'en plus il te met les mots-clés tout seul. Ah Alors oui, pa ok. C'est parfois on est vrai? surpris, je suis pas sûr qu'il soit capable de reconnaître les shimeji et autres champignons, mais il est capable de mettre tout un tas de mots-clés. Parfois il faut Ok. en enlever un ou deux, parce qu'il y a des trucs un peu étranges au milieu, mais c'est assez rare. Et il te. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est plutôt efficace. On avait reçu pas mal de contributeurs justement là-dessus. En tout cas, ça donne faim tout ça. Oui, j'adore les champignons. C'est un truc matcha champignon. Il faudrait que je fasse un truc avec les deux. Ça va pas être simple. Mais au Japon, du coup. Ben, très inspiré, ouais, de tout ce qui va être nourriture japonaise en règle générale. Mais c'est un pays où j'ai toujours pas été, par contre. Mais il faut. Donc, bah Enfin, pas oui, il cette faut. année. Cette année, c'est un peu Non, ouais, compromis, c'est ça. Ah ouais, je crois que tu deviendrais complètement dingue sur mais. tout. Toute la nourriture partout là. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, et Trop puis je bien. vous mets en fond des petits desserts. Trop bien. Donc je fais aussi un peu de clair quand même. Hein. Ouais. Ah, Je de voulais pas temps en temps. m'enfermer trop. Voilà. C'est soit très clair, soit très sombre. C'est toujours pareil. C'est toujours les extrêmes. Toute façon, il faut montrer à ses clients ce qu'on veut photographier, quoi. Exactement, c'est ça. Et du coup, toi, tes clients, ils t'appellent pour avoir ce style-là? Oui, en règle générale, ouais. C'est très rare qu'on me contacte pour du backshot ou des choses comme ça, parce que on voit que j'en fais pas spécialement. Et j'ai pas mal de clients qui me contactent pour un peu le package entre guillemets, c'est-à-dire que vu que je fais le stylisme, un peu de cuisine et tout ça, souvent ils me contactent pour ça. Et je fais aussi pas mal de direction artistique. Donc voilà, ils ont un projet, ils ont quelque chose à mettre en valeur, on en discute et en général, je leur propose différentes pistes et puis voilà quoi. C'est sûr que c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est de travailler tout en restant dans le style que j'aime Tu l'as recommencé combien de fois le truc avec le thé là? Parce que c'est sacrément stylé. Celui-là, en une fois, parce que t'as vu, il n'y en a pas tout autour. Ah bah Bah si, ouais, si, c'est ce si, que je me y avait demandais. l'air d'y en avoir quand même un petit peu. Je me demandais, est-ce que le cannelé en fait, il est tout Celui-là. mou? Mais le cannelé, il absorbe un peu, c'est un Ah baba au oui, rhum à la fin. ouais, carrément. C'est ça. Celle du milieu, j'ai dû la faire deux fois, je crois. Oh, ça Par va! contre, la première, je crois que c'était le premier. Enfin, en même temps, Premier c'était le jet. premier lâché, donc c'était pas trop Ouais. grave. Bon, ça se Mais ouais. photoshoppe un peu, ça se triche aussi, le Oui, truc en voilà, c'est l'air, ça. là. Donc, il y avait ça. Bah, d'ailleurs, j'en avais fait. Je fais quelques petits gifs de temps en temps de petits trucs comme ça.
Et bah, du coup, ça répond très très bien à une des questions qu'on nous posait dans le chat sur YouTube. Pour ceux qui sont encore perdus sur YouTube, hein, c'est de l'autre côté. C'est, est-ce que c'est fait avec Photoshop? Celle qu'on a vue là? Ouais. Alors, là, non. Là, c'était juste un lâcher. C'est pour ça que c'est encore un petit peu flou et tout ça, par rapport à mon temps de pause. Et celle du milieu, pas avec Photoshop. C'est juste que je m'y suis pris, donc, je crois, donc deux fois pour celle-là. Donc, j'ai juste enlevé quelques petites taches qu'il y a au niveau du cannelé, tout ça, pour la deuxième version. Mais non, par contre, le côté lâché, souvent, je m'entraîne sur autre chose avant pour bien régler mon temps de la lumière et tout. Pour bien voir la lumière, ouais, tout ça. Et j'essaye de voir avec des trucs que je peux essuyer facilement quand j'en mets partout. C'est du shooting de plateau qu'il nous faudrait derrière pour avoir un peu toutes les infos et toute la manière dont c'est fait, éclairé, tout ça. Carrément. On le remet dans la bucket list. Tout à fait. C'est vrai qu'on me demande pas mal de backstage, tout ça, et j'ai tellement jamais le réflexe d'en faire suffisamment, mais je devrais. Bah, c'est-à-dire que quand t'es toute seule, ça doit être moins simple que quand t'as 5 personnes sur un plateau. Bah, c'est ça. Parce que sinon, pour des shootings clients, j'ai plein de photos backstage, ça c'est clair. Mais oui, là... Ou alors, faudrait que je mette un appareil à côté, soit qui filme tout. Ouais, voilà, c'est ça. Après, des fois, tu mets juste l'iPhone au fond, avec sur un pied en accéléré, tu vois, simplement. Ça a demandé de manger des crêpes. C'est le côté Bretagne. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Cool. Mais écoute, c'est super toutes ces séries. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu prémédites toujours ta session photo ou est-ce que des fois tu te fais juste ton petit déj super stylé et t'es là genre attends, je vais prendre en photo et. Alors il y a toujours un tout petit peu de préméditation quand même. Je planifie un peu ce que je vais faire. C'est très rare que je prenne une photo quand bon déjà en vrai je prends pas trop de petit déj donc déjà je peux pas faire ce coup et puis en vrai je suis quand même assez gourmande donc quand c'est pas des plats pour faire des photos à la base j'ai tendance à les engloutir avant même de faire les photos tu vois donc c'est toujours parfait mais en général ouais je me fais des petites listes de ce que j'ai envie de photographier des pistes. Je fais mes courses en fonction de ça, je cuisine plein de choses et je photographie tout un peu à la chaîne dans la journée quoi. Okay. Ouais. Après ça dépend parce que tu vois les séries simples comme je vous ai montré tout à l'heure où c'est juste un élément brut ouais. Là ça va être par exemple je fais complètement autre chose dans ma journée mais je vois ça dans ma cuisine ben, je me dis ah ben, je vais faire une petite photo rapide là comme ça parce que ça m'inspire et voilà mais pas de là à photographier les plats que je cuisine en temps normal quoi. Ok. Et du coup, t'as une collection de fonds, de trucs, de nappes, tu récupères des éléments comme ça Alors, je les peins beaucoup en fait. J'achète, enfin voilà, des papiers classiques et en fait, je fais ma peinture directement. Comme ça, je peux faire différents effets. Okay. Et je récupère aussi un petit peu de matière, des morceaux de parquet, des choses comme ça quand j'ai besoin d'un peu de bois. Et là, faut que je vois pour en récupérer d'autres. Et je voudrais aussi tester de photographier des textures. Et de les tirer après sur grand format pour avoir encore des choses différentes. Ah, quoi. C'est pas bête. Oui, ça peut bien marcher, genre des belles portes, des choses comme ça. Tu vois, tu récupères juste la texture, après ça te fait des beaux fonds et tout ça. Ah, carrément, c'est malin, ouais. Puis en plus, l'avantage, c'est comme c'est pas le portrait, t'es obligé d'avoir des fonds de mettre sur 3 mètres minimum. Là, c'est des petits trucs, donc c'est cool, tu vois, tu peux en avoir plein. Bah oui, là, c'est des formats raisins. Hein. Tu vois, j'en mets un en bas, un en fond et ça marche, quoi. Ah, c'est cool. Tiens, j'ai une remarque intéressante de Marc qui nous dit, perso, j'ai mon téléphone en mode time-lapse quand je shoot et je fais des vidéos avec ça. Ah. C'est pas bête, hein. Ouais, faut que je fasse ça. Ça évite de remplir, la mémoire de vidéos. Ah, on a une question de Geoffrey qui dit, je connaissais Marion pour ses beaux portraits, mais je n'avais jamais vu le culinaire. Où est-ce qu'on le voit? Il se dit, c'est aussi sur Insta. Ouais, oui, je lui ai répondu en plus. Hein, je lui ai dit qu'il y avait ton Insta principal, Marion Sopin, et il y a l'Insta secondaire qui est dans la bio, en fait, avec point culinaire derrière. Voilà, et puis dans mon site, il y a les deux parties, du coup, au début, donc on peut choisir. Carrément. Baptiste qui nous demande pour faire du montage, est-ce que c'est mieux sur PC ou sur Mac? Perso, je suis sur Mac. Bon, ça dépend de si tu veux en faire tout le temps ou pas, mais sur Mac, ça marche très bien. Et ouais, ça n'a rien à voir avec la choucroute aujourd'hui en plus. Ouais.
La session montage, Baptiste, c'était plutôt hier. Alors, vas-y, on continue. Trop bien. Là, ça sent vraiment le goûter, en fait. Tout à l'heure, on avait les petits desserts. Tu sais, le goûter de l'hiver dans le pilou, là, tu vois. Ouais, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Là, tu vois, j'avais fait des petites ambiances un peu Noël, un peu... Alors, ça, par contre, c'est un truc en période de Noël. Je m'éclate au niveau dessert, au niveau tout ça. C'est toujours... toujours assez sympa. Et est-ce que tu as... tu vois, là, je vois que tu as des petites... t'as des LED, des trucs comme ça, t'as des accessoires, de la vaisselle, plein de trucs que tu chopes exprès pour tes photos. Alors, ben, là, derrière moi, là, tu vois, c'est un truc qui est rempli de vaisselle. J'ai plus de place. Mais j'adore avoir toutes les nuances, avoir les textures et tout ça, comme ça je peux choisir. Mais oui, ça en général, je pense qu'on dit ça à tous les stylistes culinaires ou photographes, il y a une tonne de choses, effectivement. Et bah, après, ouais. Les petits accessoires, bon, c'est un peu plus improvisé, on va dire. Mais oui, la vaisselle, c'est assez top. Bah, en plus, je connais ton amour pour les vieux objets, les trucs qui ont de la texture, de la vie et tout, donc... ça se retrouve bien dans ton travail. Tiens, autre remarque de Guillaume qui nous dit « Les fonds imprimés, ça marche bien, mais il faut faire attention au gros plan où on voit assez vite le grain du papier. » Ouais, ça c'est toujours un peu le défaut. Mais après, moi j'ai tendance à vraiment avoir une très 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 faible profondeur de champ. Donc souvent quand je me concentre vraiment sur un élément, bah, ça passe, ça se voit pas trop, quoi. Ouais, ça passe. Mais c'est sûr que ça vaut pas des planches de bois, des choses comme ça. Mais bon, là, en étant en région parisienne, c'est pas là où j'ai trop de place pour stocker ce genre de choses. Donc, sinon, c'est sûr que ce serait une autre histoire. C'est cool. C'est cool, hein ? Il y en a plein. Carrément. Ouais, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que là. Mais tu vois, quand je disais pour Noël, c'est des petites choses comme ça, par exemple. Okay. Ah ouais, les petites ambiances. On s'y sent vraiment, hein, alors qu'on est en plein mois d'août. Et... ce que j'aime bien, c'est ce côté, en fait, faire quand je fais des gros gâteaux comme ça, c'est faire comme un portrait de gâteau, entre guillemets. Que le gâteau, il a un peu sa personnalité, qu'il soit un peu. On ne sait pas trop est-ce qu'on est censé le manger ou pas, tu vois, c'est vraiment ce côté sculpture alimentaire. Et alors, est-ce que du coup, tu racontes l'histoire de ces gâteaux quelque part ? Est-ce que tu mets ça à plat ou est-ce que tu t'occupes vraiment que de l'image ? J'ai tendance à pas mal écrire pour moi, de mon côté, mais c'est vrai que j'ai pas encore passé le cap de trop montrer mes écrits. Je commence à le faire maintenant pour le portrait, j'écris pas mal. Mais pour le culinaire, ouais, j'aimerais bien, je pense que ça va arriver quand je serai un peu plus confiante avec ça. Ça donne envie d'avoir un livre de recettes maintenant que je sais que c'est toi qui fais tous les trucs et tout. Alors figure-toi que j'en ai fait un pour ma sœur il y a très longtemps quand je commençais la photo culinaire. Je lui avais imprimé un petit bouquin avec les recettes et puis écrit d'une façon vraiment comme au parler, tu vois. Vraiment, ouais. Bon alors mais à peu près ça, un peu de ci, un peu de ça. Et du coup, il y avait les jolies photos qui étaient à côté et elle a son petit bouquin de recettes. Donc de temps en temps, elle me dit quand elle fait une recette. Quand elle fait les recettes du bouquin familial, quoi. C'est ça, exactement. Et puis j'avais fait vraiment tout carré. Derrière, j'avais mis un code barre. Enfin, tu vois, j'avais fait le livre de vraiment comme si je venais de l'acheter. C'est trop mignon. Allez. Et à des créations, nous dit Marion, est aussi une photographe de l'âme et des émotions. C'est une excellente portraitiste qui sait mettre à l'aise celle ou celui qu'elle photographie. Et bah, est-ce qu'on switcherait pas de l'autre côté ? Sauf si t'as encore des trucs. Non, moi je vais regarder les gifs et les stop motion. Oh, il y a des gifs, j'avais pas vu. Ouais, j'en ai pas encore mis beaucoup. Je suis en train de mettre à jour mon site, mais il y en a. Mais le premier, en tout cas en figure d'appel, était très très bien. Il me plaît beaucoup. Ça veut bien s'ouvrir. Ah bah, je suis là. Ouais. Ah. Bon. Ah. C'est le ver des sables. Appel du Cookie Monster. Ah, c'est cool. Et je crois que j'ai le premier. Ouais, il est là. Le fameux. Ah. Ok. Yay. Ah ouais, mais ça doit super bien marcher pour tes clients et tout, ils doivent tous vouloir. Ouais. Ben j'ai quelques clients effectivement où dans toute la DA et tout, je leur ai proposé des choses comme ça et on avait fait pour des boissons des choses comme ça. Ouais. Et là j'ai bientôt des choses qui vont sortir aussi où il y a le petit effet et c'est drôle parce que même mes clients me disent ah tiens c'est la pâte Marion
On a déjà vu ça dans d'autres choses. Ah, c'est cool. Et du coup, par contre, c'est pas du tout de la vidéo, c'est que des photos mises bout à bout. Ouais. Ok. Oui, du coup, en plus, du coup, tu les as déjà, en fait, c'est juste un. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Comme ça, je garde celles que je veux en photo et puis. Ouais, le salé, j'en fais un peu moins. Ça m'inspire un petit peu moins, sauf quand c'est pour des clients. Quand c'est pour des clients, que je vais dans des restaurants, des choses comme ça, là j'adore ça. Mais moi, cuisiner, je suis un peu moins inspirée. Il n'y a pas assez de chocolat, sûrement. Sauf quand c'est des couleurs un peu comme ça. Dès que souvent, j'essaye de récupérer des aliments où les couleurs sortent un peu de l'ordinaire, ou les formes, ou les choses comme ça. Ouais, carrément. Tu vois, comme le chou romanesco, ça, c'est hyper inspirant. Comme... Ouais. Ah ouais, mais c'est l'aliment mathématique par essence. Exactement. Ouais, c'est trop bien, ouais. Et puis, j'ai des petits en porte-pièce. J'aime bien me douiller des petites choses. C'est juste pour se faire plaisir, tous ces trucs-là. Carrément. Eh bien, il est exactement 14h30. On est à la moitié de la session. Ouh, je pense qu'on va quitter la cuisine. Allez. Voilà, donc maintenant, ça, c'était... on a faim. C'était essentiellement des travaux perso, donc après, pour des travaux clients, tout est dans mon site, pour ceux, s'il y en a qui ont envie de voir. Alors, hop. Donc, portrait. Alors, du coup, on profite là, pendant qu'il y a ton site qui est ouvert, qui a écrit Actu. Est-ce que tu nous parles de ce qu'on voit là sur le magazine Compétences Photo? Oui, alors en fait, cette année, donc le magazine Compétences Photo m'a choisi pour me représenter pour les Zoom Photo 2020. Donc en fait, en gros, il y a 12 magazines, je crois, qui représentent différents photographes émergents et qui mettent en valeur leur travail et une de leurs séries. Donc on peut retrouver tout ça en fait sur le site du Salon de la Photo. Voilà, donc il y a plein d'artistes différents et surtout des choses très 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 variées. Donc on va avoir du reportage, on va avoir, attends, je vais un peu vite, mais voilà, donc il y a plein de belles choses. C'est assez cool, ouais. Ouais, franchement, il y a du niveau. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on est vraiment, enfin, tout est très très différent, quoi. Les gens peuvent pas confondre deux travaux, enfin, c'est vraiment c'est au bout de chacun. Cool. Mmh. Ouais. Et du coup, en fait, donc il y a le vote du public qui est ouvert en ce moment. Donc, pour ceux qui ont envie de voir toutes ces séries-là, c'est sur le site du Salon de la Photo, des Zoom Photos, et les gens peuvent voter en fait pour la série de leur choix. Et donc à chaque fois, il y a une petite présentation du photographe et de la série. Voilà. Je crois qu'on a plus. Ouais, c'est des trucs que j'adore. Trop bien. Bah, voilà. Et du coup, voilà, tu participes en ce moment. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, regarder les participants et puis voter pour Marion si ça vous a plu. Hein. Voilà, et avec le super texte de Gérald, évidemment, le rédacteur en chef de Compétences Photo, qui a vraiment cerné ma série, mais parfaitement. Et son texte est juste extra. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est une série qui me tient vraiment à cœur, parce que je l'ai commencé il y a quelques années, et je l'ai fait évoluer avec le temps, et je l'ai continué cette année. Et là, j'ai même deux nouvelles photos que je vais bientôt sortir. Et c'est vraiment autour de ce qu'on vit depuis maintenant très longtemps au niveau du gaspillage, des emballages, de tout ce qu'on jette et qui sont en vrai pas forcément utiles. Et on s'est créé des besoins, etc. Enfin, je vais pas m'étendre, hein, mais en gros, j'ai mis en scène des femmes qui posent de façon très comment dire, presque inspirée de la mode en quelque sorte, et comme si elle ne se rendait absolument pas compte de ce qui se passait en fait. Ok. Et ce qui est pour moi un peu l'image de tout ce qui se passe en règle générale. Et donc en fait chaque élément sont là pour les oppresser, pour les c'est d'une certaine façon c'est comme des sculptures sur corps qui les enserrent, enfin. Voilà, c'est rajouter une contrainte sur la personne. C'est exactement ça. Voilà, trop bien.
Donc c'est dans l'idée où on a quelque chose quand même d'assez... c'est une série assez, entre guillemets, négative, hein, un peu pessimiste, mais j'ai voulu apporter de l'esthétisme là-dedans et un côté beau, parce que l'idée, c'est quand on voit ces images dans un premier temps, c'est qu'on se dit, on s'interroge, on se dit « Ah, c'est esthétique, il se passe quelque chose », et en fait, quand on commence à vraiment regarder le fond de l'histoire, là, ça commence à être un peu plus violent, hein. Comment t'as fait pour passages. être inspiré par c'est pas évident comme matière première, tu vois, c'est des trucs où on a tendance à, tu vois, le plastique, le machin, on n'en peut plus, quoi. Du coup, comment t'as fait pour retrouver, à te reconnecter un peu avec la beauté de ça? Bah, alors déjà, de base, dans les portraits, comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure, j'adore bidouiller, fabriquer des accessoires, des petits univers, etc., avec un peu ce que je trouve par-ci, par-là. Donc en fait, quand j'utilise quelque chose ou quand je vois quelque chose, je vais m'intéresser un peu spontanément à sa valeur visuelle, en ouais. quelque sorte. Et du coup, bah, c'est un peu le cas d'ici, c'est que dans chaque élément, j'ai essayé de trouver quelque chose qui m'intéressait, qui, par exemple, le papier aluminium, ça va être le bruit qu'il fait, parce que j'ai écrit des textes aussi sur chaque image. C'est le son, c'est le côté rigide, le côté dur, enfin voilà, il y a toujours quelque chose, le cellophane tout de suite ça s'accroche au corps, on est sur quelque chose de beaucoup plus presque un aimant, enfin voilà. Donc à chaque fois je m'intéressais ouais aux petits éléments, et après plus je continuais la série, plus je cherchais un peu plus loin, sachant que ce qui n'était pas très facile, c'est que la plupart de ces objets ben, je les ai pas chez moi, parce que cette série reflète attention, ma ouais. façon de penser. Et, ouais. et du coup, là, j'en ai fait une que je vais bientôt sortir avec des bouteilles en plastique. Donc, ça a été, je me suis dit, bon, je vais récupérer des bouteilles en plastique à droite à gauche, mais ça me rendait dingue de me dire qu'il fallait que j'achète des bouteilles en plastique. Donc, par exemple, donc, du coup, c'est que des choses, soit que j'ai récupérées à droite à gauche ou que j'avais depuis très très longtemps. Les pailles, c'était un reste d'une fête, enfin voilà, des choses comme ça. Après, c'était l'idée de créer des sculptures sur corps. Donc pour certaines, j'ai bidouillé des choses comme par exemple les pailles, j'ai fabriqué avec du fil de fer pour que ça tienne, etc. Et pour d'autres, en fait, ça a été fait directement sur la modèle, comme par exemple le papier alu, le cellophane, etc. C'est que je savais absolument pas, j'avais une idée un petit peu enfin de ce que j'allais faire, mais je savais pas de quelle façon. Du coup, j'ai commencé à les entourer de tout ça et c'était ça qui était assez drôle, parce que le moment de prise de vue était très drôle, contrairement au sujet, en fait. Donc voilà, c'est trop une bien. Des dernières séries. C'est cool. Et du coup, bah, on a reçu Raphaël Monvoisin, je crois que c'était le mois dernier, et qui avait aussi participé au Zoom, et qui avait remporté, il me semble, l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc allez voir sa session, c'était vraiment cool. Ouais, c'est super ce qu'il fait, j'adore. Quand j'avais vu ça... Effectivement, toujours une très très bonne sélection sur la chaîne, et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont prêts à partager, présenter leur boulot et tout, échanger aussi avec le public sur les questions, tout ça, c'est extrêmement agréable. Ah tiens, il y a Alexandre qui dit dans le chat « Je verrais bien un projet de Marion et Pauline en commun ». Alors du coup, fun fact, j'ai pris Marion en photo il y a... c'était il y a combien de temps? Bah, au moins 5 ans, 6 ans, ouais, un truc ouais, comme ça. Ouais, c'est ça, c'était il y a 5 ou 6 ans, donc allez fouiller dans Instagram. Mais ouais, carrément, faudrait qu'on se fasse une mise à jour. Ce qui était un exploit pour toi, parce que moi, de l'autre côté de l'objectif, c'est quand même très, 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 très compliqué. Hein. Ouais, mais tout le monde dit ça, toi-même, tu sais. Oui, je sais, je dis ça toujours à mes clients. J'arrive à mettre mes clients à l'aise, mais moi, alors, c'est même pas la peine, quoi. Non, mais c'est ça le jeu, tu vois. C'est ça. Voilà, je ne sais pas si ce que vous avez envie de voir en particulier. Là, j'ai ouvert la partie travaux personnels. Est-ce que tu veux la démarrer plutôt en mode chronologique, ou est-ce que tu as des thèmes que tu qui te je qui pense te que je vais plus. Vous ouais. Alors, juste pour rigoler, je peux peut-être vous montrer dans mes toutes premières séries. Parce voilà. Que... Du coup, de cette époque-là. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui m'a lancé un peu à travailler le portrait, l'étrange, le bizarre, tout ça, c'était donc ouais. cette série. J'en avais fait une autre avant quand j'étais étudiante, mais qui était un peu moins aboutie. Ça, c'était ma première série aboutie. Donc, qui date d'il y a au moins 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que je pense qu'on a commencé en même temps la photo. Ouais, je et pense. Et on s'est vu grandir et évoluer. Ouais, c'est exactement ça. C'est cool.
Et donc cette série s'appelait Les collectionneuses. Et j'ai voulu faire des collectionneuses de choses qu'on collectionne pas, clairement. Donc là, par exemple, c'est la collectionneuse de tiges de fleurs. C'est voilà. Celle qui gâche un petit peu chez les fleuristes, elle récupère que les trucs, que les ça. Tiges qui traînent. Donc, en plus, ça, le petit clin d'œil, c'est que cette modèle, donc Kitsune, en fait, c'est une de mes premières modèles qui m'a permis de me lancer et de faire pas mal de connaissances dans le milieu de la photo. Mmh. Donc, cette photo est très, très représentative pour moi. Après, il y a la collectionneuse de ciel. Monsieur, le ciel. La collectionneuse de temps, avec toutes ses montres et tout ça. Alors, comment ça me fait les... vraiment bizarre de voir ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment tu les vois maintenant, ces anciennes photos? Bah, ça me fait plaisir de les revoir parce que ça fait partie de moi et c'est ce qui m'a permis d'en arriver à des choses un petit peu plus approfondies. Après, la valeur que ça c'est une autre question. Mais, en fait, elles sont très, comment dire, très sentimentale. C'est une série très, c'est surtout du sentiment, quoi, là. C'est vraiment, et j'en avais fait un petit livre et tout, j'en avais pas fait grand chose de plus, mais c'est vrai que je m'étais éclatée, j'étais dans des moments vraiment d'expérimentation. Là, c'est la collectionneuse de regards. Donc, j'avais récupéré j'avais fait des tirages de plein d'autres photos que j'avais fait pour découper les yeux. Donc, il y a les yeux de plein de modèles. et du coup, c'est des choses, Toi, t'as vraiment ce côté bidouille aussi, MacGyver. La collectionneuse de cheveux. Donc, bon, après, là où ça pique un peu, c'est quand je vois les retouches, quand je vois les... tout ça. Parce qu'on évolue toujours et on se dit, ah ouais, non, mais aujourd'hui, je l'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas... Donc, toujours pas assez... éclairé pareil, t'aurais pas... Oui, bah c'est ça, exactement. Mmh. Et avant, j'étais dans des choses assez, assez claires et maintenant, c'est plus du tout le cas. C'est carrément parti à l'opposé. Alors, est-ce que du coup, est-ce que t'as eu une époque où tu te disais que tu ferais ça en post-prod et finalement tu fais en réel ou le contraire d'ailleurs? Comment ça, par rapport à... Par rapport aux images, tu vois, bah, est-ce que tu te dis, ben tiens, ça, je vais tenter l'éclairage en direct et je fais très peu de retouches, ou au contraire, je vais retravailler toute la partie lumière, les blancs, les noirs sur Lightroom à la fin? C'était... Bah, j'ai jamais voulu trop retoucher, enfin faire vraiment l'opposé de ce que j'avais de base. Là, sur ces images-là, oui, c'est des jeux de courbes, des choses comme ça, mais j'avais déjà de base cette lumière-là, toutes ces choses-là. Et les choses que je retouchais surtout dans cette série, alors c'est un truc tout bête, depuis le début, je sais pas, j'ai un truc avec le cou, et j'adore les longs coups. Et j'avais commencé en faisant une série où j'avais fait des portraits très classiques, où j'avais allongé le cou de toutes les modèles. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur l'étrangeté, mais qu'on voit qu'une fois qu'on regarde vraiment bien l'image, quoi. Et dans cette série-là, c'était un peu le même jeu. Donc, tous les coups sont allongés sur toutes les photos, quoi. Donc ça, c'était voilà, la partie retouche que je faisais. Et j'expérimentais pas mal le montage et la retouche à cette époque-là. Donc, voilà. Cool. Moi, je trouve qu'on sent que c'est ton début, tu vois. On voit qu'il y a des trucs qui ont vraiment t'as bien progressé, mais je trouve qu'il y a quand même une cohérence, quoi, avec ton univers et tout. Montre-nous les photos de maintenant, qu'on se rende compte. Alors, pendant un temps, c'était très fond sombre, et là, je commence à partir dans des fonds un peu colorés, toujours dans le même style, mais... Et je classe un peu mes photos je travaille beaucoup avec le végétal, les fleurs, les feuilles. Je travaille beaucoup autour du ciel, comme je disais tout à l'heure, les étoiles, l'espace, les nuages, etc. Et les fonds marins. Et après, ça va être ce que j'appelle les petites histoires psychiques. C'est plus le côté un peu plus psychologique, un peu étrange, ou des choses que j'ai voulu exprimer de façon plus brute, on va dire. Là, ce que je peux vous montrer, bah, par exemple, une de mes dernières séries, c'était ma série Songerie, où là, c'est encore autre chose. Là, j'ai brodé sur des photos. Donc, j'avais mis le petit texte. Alors, c'est des petits textes comme ça que j'ai tendance à écrire régulièrement, des choses un petit peu enfantines en quelque sorte. Enfin, trop. Du coup, là, c'est à quoi tu penses? À tellement de choses. Je voyage ici et là. Je me laisse porter par mon imaginaire, mes songes et mes sensations. Je pense à l'essentiel. Effleure le ciel, caresse le jour et la nuit. Frôle la terre et la mer. Ferme les yeux. Écoute le vent et l'eau. Sens l'air, la pluie et la chaleur du soleil. Entends le silence, les profondeurs, les sons poétiques de la nuit. Respire l'odeur de la liberté, car tu ne seras jamais plus libre que dans ta tête, là où toutes les chimères prennent vie et où tout est possible.
Et du coup, en gros, c'est ce que j'ai voulu exprimer par les broderies qui sortent littéralement de la tête et qui Trop expriment bien. tout un tas de choses, quoi. Et du coup, ça en plus, c'est trop bien parce que ça fait des œuvres originales. Donc, tu les vends, tu les exposes. Alors ça, j'avais tenté un festival avec cette série-là, donc ça a pas abouti, mais je lâche rien parce que cette série, je suis en train de la continuer et du coup, c'est des petits formats, mais que j'ai refotographié et l'idée, c'est de faire des grands tirages sur aluminium, d'avoir ce côté plusieurs. Et tu vas pas t'amuser à faire la broderie sur des grandes plaques de Dibon d'aluminium? Non, Non? bizarrement, Non? c'est un peu moins facile à Ah, trouver. c'est cool. Donc voilà, ça c'était une des dernières séries. Confinement d'ailleurs. Parce que du coup, à côté, j'ai toujours été un peu touche à tout. Donc je fais de la broderie, je fais des sculptures en papier, etc. Et j'aime bien mélanger. Ouais. Et là, j'ai des projets de peinture sur photo qu'il faut que j'attaque quand j'aurai le temps. Et Trop alors, bien. est-ce que ce temps, c'est quelque chose que tu arrives à dégager facilement ou t'as une liste de trucs à faire qui attend là? Je vois le petit regard paniqué. Alors, j'ai toujours une énorme liste parce que j'ai toujours envie de faire plein de choses. Donc j'essaie de jongler un peu entre le travail et ça. Là, je vais bientôt être en vacances, donc j'ai un carton rempli de plein de choses, de broderies, d'argile, de gravures, de peintures, de tout ça. Donc je sais que je vais produire à fond à ce niveau-là. Donc ça fait quelques temps que j'en avais envie. Mais oui, j'ai des périodes où j'ai énormément de travail et où j'arrive pas à dégager beaucoup de temps pour mes projets personnels. Mais j'en fais au moins un par mois, ça c'est clair. Ok, Il m'en faut toujours un. trop bien. c'est le minimum vital. Ouais. C'est ça, exactement. Donc là, on avait la série qui était exposée justement à Gex aux confrontations photo. Donc c'était Fragments de rêve. Celle-ci, c'était que des images rondes. Donc toujours autour des mêmes thématiques, le rêve. Et tu nous as parlé d'un livre tout à l'heure. Oui, pour une autre série que je vais vous montrer. J'avais juste préféré, je voulais juste vous montrer celle-ci. En fait, dans toute cette série, il y avait très peu de montage, sauf celle-là. Oui, alors on me l'a beaucoup demandé hein, si la personne avait vraiment des fleurs qui poussaient dans les grains de beauté. Ah, on te l'a C'est demandé vrai? comme ça. Oui, un petit peu, oui. Bah, c'est que c'est vachement bien fait, donc c'est cool, tu vois. Non, enfin bon. Ou les gens sont Et très du naïfs. coup, ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, la Ça preuve fait très que Boris Vian, non, l'écume des c'est jours. ça. Voilà, donc non, 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 merci Photoshop, parce que du coup, les petites fleurs que j'ai photographiées séparément, le rajout d'ombre, etc. Trop bien. C'est le secret de la photo. Et Mais qu'est-ce c'est que ça tu as qui est fait très des tiges drôle. qui débordent? Les tiges qui débordent. Est-ce que tu les as données à la collectionneuse de tiges? C'est ça, oui, j'aurais pu. Exactement, tout est en lien en fait. C'est ça. Mais c'est très drôle parce que cette série, quand je l'ai exposée, j'avais vraiment tout type de retour et il y avait un certain nombre de personnes qui me demandaient si c'était des photos, si elles étaient retouchées ou est-ce que j'avais allongé le cou, est-ce que si. Mais des fois, j'ai envie de dire, mais en fait, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est ce que raconte la photo, pas est-ce que j'ai allongé, est-ce que j'ai rajouté. Enfin, voilà. C'est Mais assez. après, c'est cool que tu sois dans le. T'sais, dans l'inquiétante étrangeté, là où t'es pas sûr, tu vois. Ça veut dire que C'est quand t'es ça. Bah, c'est complètement ça que j'aime, dedans. ouais. Ouais, c'est Oui. ça qui est cool, c'est d'être dans la vallée de l'étrange, là, le truc. The Oui, uncanny. l'entre-deux. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça qui me plaît. Alors, du coup, la série où j'ai fait un petit livre. Enfin, en fait, j'ai pas mal de séries où je me suis fait des petits livres pour moi. Et il y avait donc celle-là. Donc, ça, c'est Gypsophila. Donc, c'est Ah, attends, un petit livre comme je ça. vais te mettre en grand, bouge pas. Ça marche. Yeah, Ça veut voilà. dire quoi, Gypsophila? C'est gypsophile. C'est la Ça veut dire fleur, en fait. C'est la petite fleur fleur. blanche. Et c'est une de mes fleurs préférées. Et donc là, j'ai mis la définition, selon moi, de gypsophile, qui est donc nom féminin, douce poussière de nuage végétal. Oh. Et donc, j'ai fait tout un petit livre comme ça.
Donc cette série, elle a été exposée il y a 2 ans à Chabeuil sur des grands formats aluminium. Et à côté, j'avais aussi le petit livre qui était présenté. Trop cool. Je sais pas si on voit bien. Ouais, Tu tu peux les mettre. tires où tes livres là? Parce que ça, du coup, c'était un exemplaire, un truc unique. Oui, bah en fait, avant, je travaillais dans un labo photo et qui faisait, enfin, qui fait toujours d'ailleurs, de la très très bonne qualité au niveau tirage et album. Parce Ok. que tout ça, c'est sur du vrai papier photo argentique. D'accord. Donc la qualité est top. Donc ça fait des pages un peu épaisses. Donc faut aimer les pages un peu épaisses. Mais pour des books Ouais. comme ça, c'est génial quoi. Mmh. Bah, du coup, Donc, tu faisais ça chez qui? c'est Lise Photo. Petit coup de pub pour Lise Photo, ils seront contents. Voilà, c'est une petite chaîne de labos à Paris et Île-de-France. Ok. Trop bien. Donc voilà, c'était la dernière page. C'est cool, hein? Et les couleurs ressortent vraiment bien sur ce papier-là. Tiens, je te remets sur ton écran. Toi, tu retouches beaucoup ou c'est surtout du Lightroom? Alors ça dépend des projets en fait. Donc pour mes clients, je retouche pas beaucoup. Quand je fais du reportage, très peu aussi. Donc du Lightroom, comme ça je fais mon editing, mon développement. Après pour les projets perso un peu plus approfondis, ça va dépendre des projets. Parfois c'est juste des petites retouches peau, des petites choses basiques. Et parfois, bah, en fonction de ce que j'ai à dire, je vais aller plus loin dans la retouche. Par exemple, toc-toc-toc. Dans celle-là, en fait, j'ai pas fait grand-chose. C'est surtout un filtre blanc que j'ai appliqué sur toute cette série, par exemple. Ah ouais, elle a Tu tellement vois? une belle peau déjà. Bah du coup, il y a voilà les petites retouches de peau. C'est Bon, fou. déjà de base, elle a Ouais, une mais belle elle a peau, une super hein, belle voilà. peau, ouais. Donc forcément, quand c'est comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le reste, c'est tout. Tu vois, ça va être une petite tache, mon petit fond, des choses comme ça. Ouais. Et donc un petit coup de courbe, tout ça. Celle-là, bah, c'est la même modèle aussi. Donc là, c'était juste rehausser un petit peu, tu vois. Mais j'essaye. Alors, à mes débuts, j'avais tendance à beaucoup retoucher les peaux et c'était. Maintenant, quand je vois ça, je me dis quelle catastrophe. C'est le problème. Il y a des avantages à Photoshop, mais l'inconvénient, c'est que tu as envie d'en faire beaucoup, beaucoup. Quand tu découvres, en fait, t'es complètement. Et du coup, maintenant, j'arrive. Enfin, j'essaye. J'espère que j'arrive un petit peu plus à être entre deux. Et là, par exemple, voilà. Quand on parlait d'allongement de cou, alors j'adore faire ça. Je trouve ça trop drôle. Donc voilà. Donc cette série-là, cette série recycle, pareil, vu que je voulais des êtres un peu étranges, pas complètement naturels, bah j'ai encore une fois intervenu sur le cou. C'est drôle. Voilà. Est-ce que tu l'as montré à ton modèle cette version Oui, des fois je leur fais des petits gifs que je leur envoie. Et c'est sûr que c'est toujours un peu drôle. Là, c'était quoi? Là, c'était ouais, surtout des teintes. Ouais. Puis je crois qu'il y avait une griffe que j'ai que tu as un peu rallongé relue. pour équilibrer. Exactement. Donc en fait, ça dépend vraiment, vraiment des projets, quoi. J'avais celle-ci aussi. Là, pareil, c'est le petit filtre blanc que j'avais mis sur toutes les images et un petit peu au niveau teinte. Puis un peu de retouche. Quand tu dis filtre blanc, c'est quoi? C'est un calque blanc que tu mets en. Ouais, oui, voilà, c'est un calque blanc que je rajoute en fait. Ok, Donc et ça c'est juste en m'enlève un peu de opacité, contraste. ouais. Ok. Ben là, je suis à 6, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais sur cette série, en fait, quand j'avais fait mes tests aussi tirage et tout, je voulais quelque chose où les noirs étaient moins profonds. Ouais, c'est Donc, ça ajoute un côté mat au noir. c'est ça. Donc voilà. Les petites choses que j'avais pu voir. Voilà, et puis maintenant je suis en amour sur les fonds colorés. J'ai découvert ça. Ah! Ça change un peu. Et du coup, Toujours dans la même ambiance. tu fais la transition d'abord du fond coloré, mais il reste quand même le végétal. Est-ce qu'à la fin, tu fais sauter le végétal et tu pars que sur de la couleur? Qu'est-ce qui... On va voir, on va voir. C'est vrai que quand je fais un petit peu de book comédien ou des choses comme ça, là je peux partir plus facilement sur des choses plus classiques, entre guillemets, plus sobres, où il n'y a pas trop d'accessoires. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup quand même qu'il y ait un petit plus, qui est soit des accessoires, du maquillage ou quelque chose comme ça. C'est pareil, ça fait partie du truc là, quand je maquille mes modèles, c'est ça qui me plaît aussi.
C'est Ouais, t'as pas une make-up artiste qui travaille avec toi, c'est t'y vas directement. Bah, j'ai quelques amis avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, mais vu qu'il y a des choses que je fais un peu entre guillemets en improvisation, un peu comme ça vient. Donc d'ailleurs c'est toujours très drôle. Merci encore à la confiance de mes modèles parce que à chaque fois c'est qu'est-ce que je vais avoir encore sur la figure. Donc soit je maquille, soit je leur colle des choses. Et là c'est encore Ça va, je encore trouve une qu'ils autre sont histoire. plutôt, ils ont l'air plutôt bien traités. Surtout s'ils ont des Ah gâteaux oui. à la fin, Ah tu ben c'est vois. ça. Ah ben non, mais de toute façon, thé, café, gâteau, tout ça, Grave. hein. Je reste sympa et puis je mets du maquillage qui part à l'eau, hein. Je suis pas méchante. Donc voilà. Et j'aime beaucoup traiter la tout ce qui va être un peu triste, un peu dark, mélancolique, mais sans partir non plus dans le cliché. Parce que j'ai beaucoup de gens qui connaissent pas trop le style et qui vont tout de suite me dire, ah, c'est très gothique. Ouais. Alors bah non, enfin déjà gothique pour moi ça veut pas vraiment dire ça. Et mais non, c'est bon, du coup mon site j'ai beaucoup beaucoup de choses, hein. Y a un Je suis paquet un peu d'images à charger. productive, ouais. Voilà. Pendant un temps, je me suis beaucoup inspirée de la peinture, avec des poses un peu, des lumières, des choses comme ça, comme un peu celle-ci. Et petit à petit, je m'éloignais un petit peu. Alors, j'ai jamais fait vraiment de photos de mode proprement dite, mais j'aime bien mixer justement le côté un peu inspiration mode vers un truc un peu plus étrange et un peu plus pictural. Et là, en fait, c'est pour l'anecdote sur cette photo, ce qu'elle a sur le visage, c'était les empreintes des fleurs. J'ai mis du maquillage blanc sur les fleurs et je lui ai fait des empreintes sur le visage. Ok, c'est trop cool, ça fait vraiment dentelle. Enfin, c'est pour ça en général. J'ai eu ma phase paillette aussi d'ailleurs. En fait, quand j'étais petite, j'ai jamais joué à la poupée et je crois que je me rattrape maintenant, clairement. En plus, t'as des vraies poupées qui réagissent. C'est ça, encore mieux. Non, et puis c'est ça qui me plaît, c'est que c'est toujours un jeu théâtral entre le modèle et moi. C'est bon, bah imagine que t'es tel personnage, j'aime bien leur raconter des histoires, leur dire bah tu penses comme ça, enfin voilà, joue-moi le personnage comme tu le sens, vas-y, reste fixé un point, reste bugué, j'attends que le regard parte complètement pour prendre la photo. Enfin, c'est tout ça qui me plaît, quoi. C'est vraiment cool, hein. Tu connais, bah toi tu dois connaître Jackie Tadeoni. Oui. Oui. Bah on l'a reçu là. Allez jeter un Oui, œil à sa j'avais vu. session. Ouais. Allez jeter un œil à sa session. C'était vraiment cool. Qui est costumière. Et ouais, ça se marierait super bien avec ton taf aussi. Les costumières, on l'avait rangé dans Illustration, c'est très étrange. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est parce qu'on n'avait jamais reçu de costumière avant. On C'est dit, ça. je sais pas, C'est parce qu'on j'ai n'a pas besoin une des application pour illustrateurs. costumer. On a des illustrateurs d'habitude, on va allez. Ça, c'était une de mes dernières séries aussi. Oui, en fait, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Avec une modèle, Tiffaine, qui est juste sublime. Merci, Tiffaine, d'être là pour tous mes projets. Et avec des créations en fil de fer d'une artiste bretonne que j'ai rencontrée il y a quelques années, donc Catherine Gontier. Et elle m'a envoyé, en fait, des lunettes en fil de fer, comme ça. Et on Ok. a travaillé avec Tiffen. Donc Trop une cool. série que j'ai appelée Les yeux dans les yeux. Ouais, j'ai tendance à donner toujours des titres français à mes séries. Donc j'adore jouer sur les synonymes, sur les jeux de mots, sur les. Non, j'essaye. Il y a toujours plein de délicatesse et de poésie. C'est cool, hein. Comment tu choisis tes modèles? Bah, ça va dépendre des projets un petit peu, de ce que j'ai en tête. Et je vois dans un premier temps mon réseau que j'ai un peu autour de moi. Il y a beaucoup de modèles que je refotographie parce qu'il y en a, elles m'inspirent vraiment énormément. Et petit à petit, avec les réseaux sociaux, je rencontre plein de nouvelles. Et pour moi, c'est le côté humain qui passe en général aussi en premier. Donc si pendant un shooting, ça se passe hyper bien, que le feeling il est top, en général, on a tendance à rebosser ensemble Ouais. pour d'autres projets. Ouais, carrément. Ouais, faut qu'il y ait une vraie connexion, quoi. C'est pas juste des porte-manteaux. Ah bah non, ouais, ça c'est clair.
Donc voilà. Ça, c'était ma toute première exposition. Apparition éphémère, et c'était tiré sur des tirages, enfin c'était tiré sur des formats 40-60 sur alu brossé. Donc en fait, il y avait une brillance hyper présente, ce qui faisait que tous les yeux, enfin les yeux étaient vraiment très très brillants, on avait l'impression que quelqu'un était là, quoi. Ok. Et... T'avais pas le côté affiche politique où tu leur dis regarde dans telle direction et le personnage te suit. C'était un peu ça. Mmh. Surtout que la scénographie que j'avais fait, on était assez encerclés en fait. Donc c'est ça, cool. Et ça, c'était des plaques de. C'était quoi? Comment t'avais fait ça? Des plaques de vitrail, j'ai envie de dire. Mais c'est exactement ça en fait. J'ai une copine qui est vitrailliste et je lui ai emprunté plein de morceaux de verre. Mmh. Et okay. Que je suspendais en fait en premier plan et la modèle était derrière. En fait, c'était par rapport ils sont en premier plan. Alors moi, j'imaginais exactement. Un truc beaucoup plus tordu, que c'était projeté la lumière à travers. Non. Et du coup, ça faisait un truc. Ok. Non, non, c'était vraiment suspendu. Et, cool. Et là, je m'étais inspirée du côté très comment dire peinture, ouais, à l'ancienne, très un côté très mystique, enfin tu vois, très Madone, etc. Ouais. Et voilà, donc jeu de regard, jeu de couleur. Trop cool. Donc, ça date. C'était ma toute première expo et j'étais encore étudiante quand je l'ai faite celle-là. Eh ben. Je crois qu'on arrive. Alors, on a perdu Franck en route. Non, mais je suis toujours c'est là. C'est bon, t'es encore là ouais. Ok. Et ben, on arrive presque à la fin. Si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas dans le chat pour avoir le mot de la fin. Carrément. Alors, moi, je fais un petit rappel pour ceux qui sont. Pour ceux que ça intéresse. Je fais une session retouche, je retouche vos photos lundi prochain. Et du coup, si vous avez besoin d'un coup de main, d'un truc, que vous voulez apprendre quelque chose, que vous êtes bloqué sur un projet, bah même toi Marion, si t'as envie, ça peut être super marrant. Donc vous m'envoyez vos photos et je retoucherai ça en live. Je pense que ça va être chouette. Donc envoyez ça. Et ça, ce sera lundi. Et du coup, il faut passer par le Discord. Hein. C'était ça que tu avais annoncé. Voilà. C'était par le Discord. Comme ça, je vous donne mes coordonnées. Ou sinon, vous m'envoyez un message sur Instagram. Voilà, on se trouve, quoi. Voilà. Très bien. C'est une bonne chose. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, merci. Marion, d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à Pauline vous de m'avoir invité. Pour les échanges. Ouais. Merci, c'était cool. Et merci à toute notre audience d'être là, d'être des deux côtés, côté YouTube, côté Beyond, c'est d'être surtout très présent avec nous. Je suis en écho. Je pense que je suis en écho pour tout le monde. C'est pas grave. Mais bah, écoute, merci Emmanuel, Jamila, Alexandre, Marc, Daniel, Delphine, Dalia. Il y a plein de gens. De l'autre côté, Thierry, Virginie, voilà, plein de gens cool. Geoffrey, tout ça. C'était chouette de vous avoir dans le coin. Et puis j'espère qu'on vous reverra demain. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe demain? Demain, on a une journée avec Aurélie Chantelli et on est en tête-à-tête où elle va nous montrer en fait sa manière de travailler sur un processus photo. Mais on va prendre 4 semaines en fait, on va prendre 4 sessions pour regarder ça en long, en large et en travers. Et on va commencer par toute la pré-prod demain. Donc toute la partie recherche d'inspiration et mise en place d'un book. Nickel. Mmh. Bon, bah, merci Marion d'être venue nous parler de ton travail, c'était chouette. Merci à vous. C'était une belle découverte, je pense, pour plein de gens. Et puis, bah, retrouvez-nous sur le Discord si vous voulez continuer la conversation. Je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine fois. À bientôt. Bye bye.